Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de jouer et terminer 5 parties en multijoueur ou en zombie dans la section, non, dans la sélection de l'événement tourment. Alors moi je vais faire le défi en mode zombie parce que je suis un joueur zombie. Et pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire c'est aller en contagion à Halloween, donc vous pouvez le faire en public ou alors en partie privée, solo. Comme vous voulez. Donc moi je vais lancer en solo Contagion Halloween et je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Alors, en soi c'est pas très compliqué. Ce que vous devez faire c'est pas très compliqué. Mais c'est quand même difficile si vous êtes un joueur random du mode zombie. Ça sera un peu plus compliqué pour vous. Mais si vous êtes expérimenté ça devrait être assez simple. Alors ce que vous allez devoir faire c'est survivre pendant 9 minutes et 53 secondes. Donc moi ce que je vous conseille c'est de ne pas tourner pendant 9 minutes et 53 secondes. Parce qu'après vous allez devoir vous exfiltrer. L'exfiltration va être un peu compliquée si vous n'avez pas d'armes améliorées. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire un maximum de points en tuant le maximum de zombies. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 3 anomalies sur la map que vous pouvez voir indiquées par des points des points comme vous voyez là devant moi. Et en fait ces points là ce sont des points d'anomalie où vous allez pouvoir activer et pendant 2 minutes vous aurez accès à un pack à punch, des atouts, une table de un établi et un truc, bah attention je vais vous montrer, regardez. Hop, je l'active. Et là logiquement, voilà, là logiquement j'ai le pack à punch qui se trouve juste ici pour améliorer mon arme. J'ai ici un établi pour acheter des équipements. J'ai ici pour acheter un bouclier. Et j'ai ici pour acheter des atouts. Des atouts, mastodontes, etc. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire un maximum de points. Alors comme c'est l'événement d'Halloween, quand vous tuez des zombies c'est possible qu'ils lâchent des citrouilles. Donc vous voyez quand vous tuez un zombie, s'il y a une citrouille que vous pouvez récupérer par terre, récupérez-la, ça va vous donner pas mal de stuff. Donc je vais essayer d'en trouver une et je vais vous la montrer tout de suite. Alors faites attention parce que les manches passent toutes seules. Toutes les 2 minutes 30, non toutes les 2 minutes je crois, la manche passe. Donc là regardez je suis manche 2. Donc les zombies vont être un peu plus rapides à chaque fois. Ils vont être un peu plus résistants et vont faire beaucoup plus de dégâts à chaque fois. Donc faites attention à ça. Je pense qu'à la fin de la partie, vous serez manche 6, si je ne me trompe pas. Ok, donc logiquement, dans 5 secondes, ça va passer la manche. Et je vais regarder si je gagne des points en plus. Ok, donc là, ça passe la manche. Non, je ne gagne pas de points en plus. Peut-être que je gagne des matériaux, par contre. Alors, très important, là, j'ai activé une anomalie tout à l'heure pour vous montrer ce que ça faisait. Vous avez 2 minutes pour vous stuff. Après, l'anomalie se détruit et vous ne pouvez plus vous stuff. Donc, il faut aller à une autre anomalie. C'est pour ça qu'il y en a 3 sur la map au total. Donc là, je vais aller à une autre anomalie. Je vais aller améliorer mes armes parce qu'en fait, manche 3, je ne peux plus les cutter en un seul coup de cut. Donc, j'améliore mes armes pour pouvoir faire plus d'efficacité. Et je vais m'acheter surtout des atouts. Et un gilet pare-balles aussi. Très important aussi. Hop. Et la machine à atouts, elle est où? Elle est là-bas. Ok, parfait. Je vais acheter Masto. L'animation rapide. Alors, j'ai pas eu de chance parce que pendant toute la partie, aucun zombie m'a lâché une tête de citrouille. Mais quand vous voyez une tête de citrouille par terre et que vous la ramassez, ça peut vous donner par exemple des améliorations de vos armes. Genre pack à punch 1, 2, 3. Ou alors des améliorations de la rareté de vos armes. Donc là, ben, vous passez en rareté rare, légendaire, etc. Ça peut vous donner des boucliers. Bouclier niveau 1, 2, 3. Ça peut vous donner des armes aussi. Des armes genre pistolet laser, DCD, armes spéciales, etc. Ça peut même vous donner des équipements de soutien, genre hélicoptère, avion, etc. Ok, donc regardez, là j'ai trouvé une citrouille. Hop, je l'ouvre. Et en fait, ça donne une amélioration d'armes. Oula, 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 je vais mourir, je vais mourir. Et ça peut me donner aussi... des packs à punch. Donc là regardez mon arme est passée en rare. Non en standard. Elle était rouge, maintenant elle est passée à la rareté verte. Ok donc maintenant les 2 minutes sont passées. Là j'ai vite fait me stuff une dernière fois. Ah bah non il est cassé le truc. Ah mince. Mince mince mince. Bon j'aurais dû améliorer mon arme juste avant mais c'est pas grave. Là, il faut vite que vous alliez à l'évacuation, donc là où il y a le logo d'hélicoptère. Vous avez 2 minutes pour 2 minutes 30 pour vous exfiltrer. Et pour vous exfiltrer, vous devez vous rendre à la zone d'exfiltration. Mais en plus, il va falloir tuer un nombre de zombies indiqué à gauche. Donc là, je dois tuer 22 zombies
pour pouvoir m'exfiltrer. Donc là déjà je vais tuer le mec. Oulala, ça va être compliqué parce que ben j'ai pas de gilet pare-balles. Moi ce que je vous conseille c'est de surtout pas faire comme moi, parce que là on va dire que j'y suis allé un peu à l'arrache et c'est pas bon du tout pour moi ça. Ok, il me reste deux zombies à tuer. Ok, celui-là, il me reste plus que le mégaton à tuer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que dès qu'il vous reste 2 minutes, vous allez vous stuff un maximum pour améliorer votre arme niveau 3 minimum. Parce que là, moi, mon arme est de niveau 1. Vous imaginez? Niveau 1, c'est rien du tout. Et j'ai 58 000 points, je ne les ai pas utilisés. Donc je me suis compliqué la tâche en fait. Hein. Vous améliorez votre arme niveau 3, ça va être easy. En plus de ça, vous prenez un gilet pare-balles avant d'aller vous exfiltrer. Parce que regardez, je prends cher. On est manche 6, donc les zombies me font très très mal. Et bah, encore heureux que j'ai Masto, parce que sinon là, je serais vraiment dans la merde. Mais là, sans bouclier, c'est compliqué. Et sans arme de niveau 3, c'est encore plus compliqué. On va dire, je sais même pas si je vais y arriver quoi. Il me reste 28 secondes pour le tuer lui. Ok, encore heureux que j'avais un molotov qui va bien m'aider. Parce que là, je vais être très très limité. Ok, 6 secondes. Oh là là, c'était chaud hein. Mais vous, ce sera beaucoup plus simple. Oh là 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 là. Ok, c'est bon. À une seconde près, j'y arrivais pas. Mais vous, ça sera beaucoup plus simple si bien entendu vous améliorez vos armes niveau 3 et que vous faites tout ce que je vous ai dit. Parce que là, j'y étais vraiment avec ma bite et mon couteau, quoi. C'était compliqué, mais bon, j'ai quand même réussi. Ah oui, et très important, pour terminer l'entièreté du défi, vous allez devoir vous exfiltrer 5 fois. Ou sinon, ben, vous ne débloquerez pas le défi parce que le défi vous demande de vous exfiltrer 5 fois dans le mode contagion d'Halloween. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.